montagnard. Tu connais un peu Paris ou pas alors? Ouais. Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Non. Est-ce que tu connais Paris? Bon allez, on a 3 jours. Éventuellement découvrir les bords de Seine. Ouais. Donc vous avez la possibilité de prendre un bateau à différents endroits dans Paris. Petite technique, sachez que sur les bateaux mouches en bas, il fait beaucoup moins froid qu'en haut. Merci. Alors, cher Tania, qu'est-ce que vous avez préparé de vous? J'ai préparé une petite stock de tartare avec des chips. Mon Dieu, on fait quoi après? Bah écoute, on est pas loin du musée d'Orsay là. On pourrait aller. Ils sont plus il y a pas longtemps, je crois. Ouais, puis en fait, c'est une ancienne gare, je crois. Ouais. Ah ouais, c'est chiant. Ouais. En plus. Dans la nouvelle galerie impressionniste. Là, il y a du moulin de la galerie. C'est le bal où mes grands-parents ils se sont connus. C'est vrai? Non. Oh, je sortirais bien moi ce soir, Tania. Oh, une petite guinguette. Un petit bal musette. Je t'emmène en 2 chevaux. Alors, explication des cadenas du pont des Arts. La coupe écrit son nom sur le cadenas, ils le mettent sur le pont, puis ils jettent la clé dans la rivière. Le cadenas symbolise leur lien.